Salut les copains. On est en pleine forêt, on s'est perdu. Ça peut arrêter. Et on est perdu. On est en mode aventurier, de ouf. Je suis dans ma ville, à moi, à mon père. D'ici jusqu'au panneau rouge. J'ai gagné. Je pensais pas que c'était autant magnifique. Ok, je vous explique. On est grave en retard. Hey, c'est le rush. Je devais se lever à 6h30 parce que notre avion il est à 9h, ok. Il est quelle heure? Il est 7h55, les gars. Oui, et là, comme non, là, il y a du trafic. Non. Hey, les gars, 8h34. Et vous savez, on est où? On est à la porte. Ça tue. Le moment où j'ai ouvert les yeux, il était 7h30. Le moment où on était à la porte, il était 8h30. L'efficacité. L'efficacité. On a rendu une voiture. On avait des valises, on avait une. On a payé du supplément. On avait un bagage en plus, du coup, on a dû repayer un supplément, passer tout ça. On s'est habillé, tout, on a rangé nos affaires, on a tout mis dans la voiture. Vous savez pas aussi, on n'a pas trouvé le parking pour rendre la voiture, on le trouvait pas. On a tourné. C'était pas du tout clair. Du coup, on a perdu 5 minutes encore, on s'est dit, mais ça va être mort. Ensuite, on pose la voiture, le mec hyper carré, tac, tu signes, tu pars. C'est bon, il nous a fait confiance. Il y a de la marche, hein. Entre le parking de l'aéroport jusqu'ici, c'est trop mal fait. Ça va, l'aéroport, il est petit, du coup, on a tout fait rapidement, tu vois, donc c'était cool. Ouais. J'en peux plus, hein. Là, ça y est, je suis posée, alhamdoulilah. Et je suis contente. Le plus important à la famille, c'est de gérer le stress à la dernière seconde. C'est toute ma vie, ça. Mais franchement, je pensais qu'on allait louper ou pas, toi? Non. C'est vrai? Pas un seul instant. Ah, moi, quand même, moi, je me suis dit, c'est mort. Limite, non. Je voulais jeter valise et faire c'est bon. T'es malade. Vous avez gagné. J'ai pas une seule fois pensé qu'on allait le rater. Sérieux? Vraiment. Bon. Et du coup, il est en retard de 20 minutes. Il devait décoller à 9h20. Et il décolle à 9h40. Je crois qu'Allah a voulu nous tester. Et du coup, bah, on a une heure devant nous. On est en avance. Du coup, on va manger. T'as faim? Voilà, là, laisse-moi un peu. Je me repose. Moi, j'ai faim. Et après, si tu veux, moi. J'ai tellement dépensé. Par contre, là. C'est du Turkish Airlines, ça, si, il y aura à manger. Hein. Un petit Starbucks? Pas de Starbucks. Je rigole. Sommes arrivés à Istanbul, encore une fois. Le retour. Il n'y a pas de vol direct. On est obligé de passer par Istanbul. Dans Antalya à Giresun, il n'y a pas de vol direct. Du coup, là, on va à Giresun. Nouveau vlog. Hier. Yeah. Nous avons 3-4 heures d'escale à peu près, c'est ça? Ouais, je suis le maire d'Istanbul. On me surnomme comme ça, les gars. J'ai une petite adresse à 15 minutes d'ici. Oh là, il est magnifique cet aéroport. Je vais vous montrer. Il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Et du coup, là, comme on vous a dit, on va... Wow, tu te calmes... Comment ça s'appelle déjà? Neşet Ertaş. Oui, le meilleur, les gars. Du coup, Après, Ibo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a 3-4 heures d'escale et on va y aller. Let's go, à mon adresse. Ils sont prêts pour ma surprise. Franchement, j'ai hâte. Incroyable adresse, les gars. Deuxième plus grande mosquée de Istanbul qui est pas du tout, mais pas du tout connue. Sérieux? Même sur Google Maps, on la trouve pas des fois. La plus grande d'Istanbul? Ouais, après Çamlıca, c'est la plus grande. Et elle possède aussi 6 minarets. C'est très 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 rare. Il me semble qu'il n'y a que Sultan Ahmed qui a 6 minarets et Çamlıca est celle-là. Waouh! C'est vraiment beau. On dirait un hammam. Ici, c'est pour faire ses ablutions. Ça va, Sia? T'en penses quoi de mon adresse? Elle est trop trop belle. Et on est actuellement en train de se faire masser. Eh, comment ça fait du bien, tu kiffes? C'est fini? Déjà? Attends, je vais remettre. Moi j'ai mis plus de télé. Eh, regardez comment ça a bougé tout, c'est kiffant. Je crois qu'on voit que dalle. Ok, on voit que dalle. En tout cas, je le sens. On me donne des petits coups comme ça. Ouh, comment ça serre? Au mollet et tout. Eh, ça fait trop du bien. Ouh. Oh là, je suis en train de faire la gada. J'ai des émotions, les gars. Vous pouvez pas ressentir ça. Mais c'est trop après drôle. Après des années et des années. Regardez-moi ça. Après des années, les amis, on voit au moins Giresun. Donc, je disais, moi, ce dont j'ai hâte, vous savez, c'est quoi? C'est de manger. On va à Giresun. Pour tous mes Giresun, là, on est là. Ordulo aussi, parce qu'en vrai, l'aéroport, il est sur les frontières de Ordu, mais à la frontière de Giresun. Donc l'Ordulo, je vous kiffe aussi. Tes yeux, ils ressortent bien, là. Ah ouais? Ouais. Vous savez, ses yeux, ils ressortent mieux, fait, ici. Arrête, si vous nous portez la haine. Ah,
5 fait la unique. 1 hour. Non, c'est 1h30, non? 30. Je sais même pas comment on parle en anglais. Una hora y media. La verdad que es una buena. Es una buena. Es una buena. Viaje. Viaje. On se retrouve dans 1 heure avec un grand sourire aux lèvres. La mer noire, elle n'est pas noire. C'est un mythe. Le stade de Guillet-Sanspol. Eh oui, les amis. L'effet d'atterrir sur la mer, ça fait flipper même en vrai. Et voilà Lilo. Et là, on est en train d'atterrir. Du coup, on est bien arrivé dans ma ville d'origine avec Asia. Elle était un peu grognon. En fait, Asia, elle a pas du tout dormi et elle aime pas ça. En fait, quand je dors pas assez, je suis aigrie. C'est bon. Et du coup, elle a dormi un peu et là, on va sortir, on va grailler et je vais faire visiter un peu ma ville. Et franchement, voilà. C'est super beau. Et là, en fait, on sait pas ce qui se passe dans l'hôtel. Il y a soit un mariage, on sait pas ce qui se passe. Mais il y a de l'ambiance, tu vois. T'as pas filmé, je crois, quand ils sont en train de danser. À l'hôtel, il y a un gros mariage en fait. On est en bord de mer, tout ça. Ils sont en train de se régaler. Bon, du coup, direction le restaurant. Là, on peut pas trop vous montrer à quoi ressemble Guillet-Sanspol parce que bah il fait nuit. Ça fait 4 ans que je suis pas venu, je vais pas mettre de GPS. De toute façon, Calais-Denis, c'est un principe, c'est tout droit, toujours tout droit. Ouais, en bord de mer en toujours fait. Toujours tout droit, les gars. Après, faut trouver les rues, mon chat. Ouais, mais une fois que t'es à l'endroit, après là tu mets ton GPS, mais... Je te fais confiance. Regarde, tu vois au bout là où il y a un Guillet-Sanspol, ça c'est le fort de Guillet-Sanspol. Comme à Hollywood, comme à Marseille, etc. Tu vois, ils ont écrit. Les routes, elles sont bien ici, c'est juste quand tu rentres un peu dans les montagnes, là les routes, elles sont catastrophiques parce que... C'est quoi, je crois que je vais prendre un demi-tour. C'est magnifique. Ici? Ouais. Ok, on va le faire comment son demi-tour? Parce que il neige souvent, il pleut souvent, il y a beaucoup de glace ici. Sinon, en bord de mer, ça va. Là, on est dans les social préférés de Guillet-Sanspol. Ils ont été rénovés il n'y a pas longtemps. Il y a quoi? Oh, il y a un petit chaud. Il est trop joli sur cette escalier ici. Il y a un petit coin pour prendre des photos. C'est trop mignon. Bon, du coup, on y est. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a. En fait, il y a plus des spécialités. Genre, on dirait que je suis sponsorisée par l'État, mais pas du tout. J'aime trop, c'est pas cher, c'est super bon, c'est très très bon. Nous y voilà, voilà, au Elma, à la pomme, on va voir si c'est bon. Moi dans ma tête c'est du pomme bouton, mais c'est trop bon, franchement c'est bon. Ça, c'est mais de... c'est pas sucré de ouf. Hier quand on était à Sparta, ça c'est une dinguerie, on parle comme si c'était genre la porte à côté. À 1000 km d'ici, mon œil d'un petit trou, si vous avez vu le vlog précédent, il a vu le flécheur. Tu veux que je te montre un truc ou pas? Quoi? Je sais pas si on peut ouvrir. Ça vient de Guillet-Sanspol. Vous avez vu les gars l'œil que j'ai regardé? Regardez le petit truc. Qui voit ça? Tes mains. Guillet-Sanspol à la base ça vient de Kelasus et Kelasus ça vient de Kiraz. C'est la ville de la cerise. Et tout ça c'est quelque chose qu'on retrouve pas en Turquie. Ça c'est vraiment propre à la région. En fait chez nous on était très pauvres à l'ancienne, tu vois. C'est un peu des nutriments qu'on retrouve beaucoup chez nous, donc les cerises. Les cerises qui sont produites à Guillet-Sanspol en majorité. Ça c'est karalahana, c'est un truc qu'on retrouve partout, on fait aussi une soupe de ça. Nous on dit panjal chez nous, pas karalahana. Les Trabzonlu de l'Est et du Centre ils disent karalahana, mais on n'est pas d'accord avec eux. Les champignons, oui. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans nos hauts plateaux. Et puis voilà. Ouais, goûter. C'est quoi, c'est sucré salé? Ça a le goût d'ailleurs. Ça m'intrigue parce que j'ai vraiment jamais goûté de ma vie. Ouais, c'est des oignons. Je pensais que ça allait être plus sucré. Non, c'est salé. On dirait des olives, wesh. Ouais. Ça, c'est le mantar normalement. Champignons. Il me semble. Moi, je peux pas les champignons. Ça c'est me bon. Ça... Non, c'est très bon. Non, c'est bon. Vraiment quelque chose que j'aime pas trop. Oh, c'est excellent. Je trouve que c'est de la viande, mais en nul. De la viande végétarienne. Toi, en fait, chez nous, on mange de l'herbe. Mais c'est quoi cette odeur déjà? Je kiffe. Je sais que je kiffe d'avance là. On dirait des épinards. Tu prends dans la main et tu manges. Ok. Ça me rappelle la bouffe de ma mère, tu me manques bébé. C'est du diblet, c'est le meilleur truc. Non, genre, c'est le super diblet, bon. C'est hyper bon. Regardez comment ils dosent, genre c'est une dinguerie. Ouais mais t'as vu genre ça là, ça passe bien avec la graille aussi. Non ça passe d'où? Franchement ils ont super bien pensé. Notre guide préféré, dis-nous tout. On monte petit à petit vers le fort de Guillet-Sanspol. Yes. En turc on dit Calais, donc Calais c'est un peu château. Le fort de Guillet-Sanspol, il date d'une époque bien avant que les turcomanes entrent dans la ville de Guillet-Sanspol. Les turcomanes c'est quoi? Les turkmènes. Ok. Les tribus turcomanes. Karadeniz. Attends, la batterie elle va s'éteindre là. Ok, pas de problème. Bah, c'est pas grave.
Nouveau vlog, nouvelle journée, nouveau lieu. Vous êtes pas prêts. C'est le meilleur endroit de tous les temps. Même mes yeux ne sont toujours pas prêts. Waouh. Ah ouais. Oh wesh. Mais non. Tout ça là. En fait là je suis choquée, c'est bien la mer Noire hein. Oui. Je vous jure on est dans Twilight. It's like a cold, I'm with love.